souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je fais du lifestyle. Je montre ainsi qu'on peut allier à notre mode de vie le bien-être et faire des activités qui nous plaisent, et ceci, quel que soit son âge. Alors, cette semaine, je vlogue, donc je vous emmène chez ma coiffeuse. Ensuite, je vous emmène faire du shopping. Je passe chez Carole C, qui est une boutique de cosmétiques et surtout qui vend des produits Jouvias. Je continue chez Franca Déco, puisqu'il me faut chercher, trouver mes rideaux. On termine par le restaurant et je vous emmène à Capesterbello avec une jolie vue sur le boulevard de Capesterre pour terminer ce vlog. Voilà, tout un programme qui j'espère va vous plaire. Et si ce n'est pas encore fait, pensez bien sûr à vous abonner, liker la vidéo, mettez vos commentaires et dites-moi s'il y a des activités qui vous ont plu dans ce programme. Et voilà, c'est tout. Donc, let's go! C'est mardi et j'ai rendez-vous chez la coiffeuse, donc je suis en train de l'attendre. Elle a du monde à l'intérieur et je vais quand même filmer ma coiffure. Sinon, je voulais voir si je faisais un soin à la kératine et puis faire la couleur parce que mes cheveux... Voilà, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, tu vas je fais la couleur. Oui. Je te fais un châtain foncé. Mm-hmm. Et puis, bon, après, on fera le soin. Oui. Donc, on peut faire un soin à la kératine. On fait le soin à la kératine, oui, après. Oui. Je voulais que tu... Mais le soin, un soin sec à la kératine. D'accord. Parce que... Le soin vraiment en profondeur. Ça prend plus de temps? Oui. Donc, si un jour je veux faire le soin à la kératine, ça me prend combien de temps? Ah, il faut compter environ, en gros, peut-être 3 heures. Hein. Wow. D'accord. Par contre, on fait le soin en profondeur à la kératine. Oui. C'est recommandé quand même de faire la couleur et la coloration une semaine à 15 jours après. Ah, d'accord, ok. D'accord. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. D'accord. Donc là, c'est un simple soin que tu me feras. Et puis, j'aurais bien aimé que tu tailles les bouts parce que. Ah, tu sais, avec le confinement. Ouais. On a essayé de faire avec léger, mais oui. En même temps, bon, ça fait un peu de repos aux cheveux, hein, sans couleur, sans produits chimiques, tout ça, hein, ça fait du bien. Alors, du coup, j'ai quand même fait une petite couleur simple que j'avais, tu sais, une coloration à base de noni, mm-hmm. que j'avais trouvé à la pharmacie, mais c'est vrai que ça ne tient pas. Ça tient pas. Et au bout de, je sais pas moi, de 15 jours, j'avais déjà les cheveux blancs qui apparaissent. J'insiste bien devant, ah, oui, bien oui. caché des petits cheveux blancs. C'est plus facile de venir chez toi que d'aller en ville à Bastère. Oh, bien sûr, pour se garer, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, oui. Donc, tu peux te garer. On se gare facilement chez toi. Il fait bon. Il fait bon. Bon. Et c'est pour ça que j'espère que tu connais le nom de mon salon. Tu t'es jamais posé la question? Non, je ne me suis jamais posé la question. Changer d'air. Ah oui. Changer d'air. Bon, oui, oui, oui. H-I-R. Oui. Mais ça a plusieurs sens. D'accord. Oui, on change le cadre. Voilà. Et puis c'est mieux que... Et puis je préfère. Je préfère que d'aller... De chercher à me garer à Bastère et tout ça, ça je préfère. Tu cherches une place, tu cherches plusieurs fois et là tu arrives ici, tu te rends sans problème. Alors s'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce salon, il est à Bourg-Aubert, il est très bien placé et Juliette est une coiffeuse hors pair. Tu vois, j'ai des pointes, j'ai un tas de pointes. Ça fait une papa carré aussi, hein? Ouais. Ok.
alors je te laisse faire. Oui. Alors, je te fais une petite banane. Mm-hmm. Comme il fait chaud, c'est l'idéal. Si je laisse libre, avec la transpiration, vu les cheveux sont naturels, ça va gonfler. J'aime bien. Ça change. C'est simple, mais c'est joli. C'est bien. Et ça me plaît. Comment tu fais? Voilà, ma chère dame. Ça me plaît. Je suis satisfaite du résultat. Elle m'a fait une banane un peu très relâchée. Enfin, ça me plaît. Je suis satisfaite. Aujourd'hui, je vous emmène faire du shopping avec moi. Donc, on va passer chez Carole. Carole C. C'est un magasin de cosmétiques naturels et conseils en images. Donc, elle fait aussi des produits Jouviaz. Donc, et aussi des produits naturels de la marque Avril. Voilà, donc j'arrive chez Carole. Carole C. Cosmétiques naturels et conseils en images. Je vais rentrer. On fait un petit tour. Alors ici, elle a des produits bio, naturels, de la marque Avril. Tu es filmée. Salut. Alors, c'est Nicolas. C'est le propriétaire du magasin. Bonjour, bienvenue à la boutique Carole C. Nous sommes une boutique spécialisée dans les cosmétiques naturels et dans le maquillage. Alors, au sein de notre boutique, vous allez retrouver des marques Juvia's Place, vous allez retrouver les fameuses palettes hyper pigmentées de la marque, les fonds de teint, vous allez également retrouver des accessoires comme les pinceaux, vous allez également retrouver la marque Avril, qui est une marque française bio de cosmétiques naturels. Alors, nous sommes situés derrière la nouvelle poste au niveau de l'inspection du travail et de l'école régionale de la deuxième chance. Alors, en ce moment, on a une offre très très avantageuse puisqu'on a une remise de 10% sur toute la boutique pour cette période des soldes. Au revoir à tous. Franca Déco et vais trouver mes rideaux. Alors je vais jusqu'au fond, probablement je vais trouver mes rideaux. Ce joli petit rose. Trouver mes rideaux. Cette couleur argentée me plaît énormément. Ça va dans l'ensemble. Super. Je suis au restaurant Café Martini. Non, c'est la cantine. Ah, c'est la cantina. Voilà, c'est l'Éden qui a de la goyave dedans. Je crois l'orange. Et là, c'est le planteur. Alors ici, on a un steak de thon, je crois. Des petites bananes. Et des frites. Voilà. Bon appétit. Voilà, je suis sur le boulevard de Capesterbello.
Et le vlog s'achève ici sur ces belles images. Donc je vous montre la mer qui est juste derrière moi et ce magnifique paysage sauvage avec ces vagues qui se fracassent sur la rive. Si vous avez aimé le vlog, pensez à bien sûr liker, mettez-moi vos commentaires et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!